sommes éclairés. Donc, de par ces, entre guillemets, rebondissements lumineux sur la route et sur les trottoirs, ben, ça nous permet d'être éclairés et c'est pour ça qu'on le nomme réverbère. Mais bien sûr, cette vidéo ne va pas parler des réverbères, mais de la réverbération. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, j'ai décidé de faire une petite vidéo plus ou moins instructive, puisque n'oubliez pas que il y a une partie de notre chaîne justement qui est dédiée à l'éducation. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler après avoir mangé dans ce parc tranquillement. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler d'un élément qui fait partie de notre vie quotidienne auquel on ne fait pas forcément attention. Donc vous savez très bien que dans nos villes, il y a des réverbères. Et simplement pour expliquer ce fait, c'est juste le fait que la lumière puisse réfléchir au sol, sa propre puissance d'ailleurs qui est la lumière, et ce qui fait que nous sommes éclairés. Donc de par ces entre guillemets rebondissements lumineux sur la route et sur les trottoirs, ben, ça nous permet d'être éclairés et c'est pour ça qu'on le nomme réverbère. Mais bien sûr, cette vidéo ne va pas parler des réverbères mais de la réverbération. Et donc là où est-ce que je me situe, j'ai mangé en face de ça. Voilà, donc j'ai mangé en face de ça. Je ne savais pas ce que c'était. Et d'ailleurs, ce n'était pas là auparavant. Alors aujourd'hui, je me trouve dans le parc de la Haute-Île. C'est entre Chelles, Neuilly-sur-Marne et aussi Noisy-le-Grand. Donc je vais un peu aller voir ce qu'il en est de ce petit objet qui plutôt cette petite chose qui ressemble un peu à justement les tourne-disques de l'époque où est-ce qu'on écoutait la musique. Et c'est vraiment, ça y ressemble vraiment, et du coup il n'y a plus qu'à mettre l'aiguille au bout juste là, alors juste ici, logiquement, voilà. Si on met une aiguille avec, c'est une petite application que je donne aussi aux enfants qui nous écoutent. Donc vous prenez une feuille et vous l'enroulez de ce type là, de type conique, et vous mettez une aiguille à coudre au bout.
Et bon ben essayez, hein, demandez avant bien sûr à vos parents s'ils ont un vieux disque, un vieux vinyle. Et lorsque vous le mettez sur une platine et que vous suivez les sillons justement du disque, et ben vous entendrez la musique au bout de cette corne en papier. Donc avec un peu de scotch, une aiguille à coudre et une feuille. Donc je vous invite à faire le test. En attendant, je vais voir ce qu'il en est de plus. Alors allons-y, on va voir ce qu'il en est de ce petit matériel. Et nous allons pouvoir certainement étudier la réverbération, car je vais rentrer à l'intérieur pour pouvoir justement voir quel son acoustique que ça donne. Donc pour ceux qui font de la musique, vous remarquerez bien cet effet et surtout l'écrit qu'il y a. Voilà. C'est plutôt cool, hein? Bon, allez, je vais m'asseoir à l'intérieur. Vous entendez déjà le son, comment il est. Voilà, c'est juste magnifique. Alors, je vais m'asseoir. Oula, il fait chaud là-dedans. Et là, vous avez une qualité sonore qui est simplement magnifique. J'espère que vous entendez la différence au micro. Et ça fait tout... En fait, ce serait bien ici qu'il faudrait enregistrer son futur album. Donc là, j'espère que vous entendez beaucoup mieux. Vous avez vu un peu comment c'est. Et normalement, c'est à l'extrémité de ceci, sur la feuille conique, que vous mettez votre aiguille. Il faut que ce soit conique jusqu'au bout. Un peu de scotch et c'est parti. Et voilà. C'est plutôt bien fait. Et au niveau du son, comme quoi les formes font bien certaines choses au niveau des énergies. Et j'entends par là énergie, ma propre voix. Vous connaissez le mégaphone aussi. Donc le mégaphone qui est un peu du même type. Et au niveau du son, eh ben, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y en a des électriques, disons des mégaphones qui marchent à pile et qui permet de dupliquer, d'amplifier plutôt la voix, car il y a des amplis à l'intérieur. Voici pour cette minute éducative au niveau sonore. Et en fait, sur chaque paroi, donc lorsque je me tourne vers ici, mon son réfléchit sur cette par ici, qui réfléchit en haut, etc., etc. Ce qui fait que on entend d'une manière un peu plus sale, je dirais hall, comme on dit dans la réverbération. Et plus la salle est grande, et moins il y a de rebondissement de ma voix sur les parois. Et donc ça, c'est des outils qu'on retrouve lorsqu'on fait de la musique, pour pouvoir un peu modifier, donner des effets à la voix, à la guitare, à la batterie, etc., etc. Communication. Ben, très bien expérimenté. Et merci beaucoup.
dirais que tout ça ici, c'était censé être rempli d'eau, mais que ça a séché. Ça a séché, donc du coup, peut-être que le soleil qui tape bien fort là aujourd'hui est à l'origine de tout ça. Sachant que un peu plus loin derrière là-bas, il y a la Marne qui passe. Et donc voilà. Donc ici, ouais, c'est bien alimenté en eau. Et on ne voit pas grand-chose d'ailleurs. Mais il est censé avoir pas mal d'eau. Et je sais, j'entends des petites bêtes, des petits animaux ou autres. Je ne sais pas ce que c'est, qui sont en bas là-bas. Et qui font du bruit. Je ne vois pas ce que c'est. Avec tous les bruits extérieurs, on n'entend peut-être pas forcément. Mais il y a un petit grésillement. Je ne sais pas si vous l'entendez. En tout cas, c'est chargé en libellule, en toile d'araignée surtout, et en ortie, parce qu'il y a beaucoup d'orties et de ronces. Un petit moment dans la nature, ça ne fait jamais de mal. Voilà, et du coup, il y a un chien. Ah tiens, il n'y a pas qu'un chien. Si on regarde bien, ici, on voit un écureuil. C'est peut-être ça qui fait... Vous voyez bien l'écureuil là. Alors dans ma vidéo, dans une de mes vidéos précédentes, j'étais à la recherche d'un écureuil et là j'en ai un. Et à mon avis, c'est ce qui fait le bruit en bas aussi, derrière moi.